Ils sont tous des acteurs directs de l'initiative Grande Muraille Verte, des 11 pays signataires de la dite initiative, réunis à Ouagadougou en prélude à la 9e session du Conseil des ministres qui se tiendra au Nigeria en mai prochain. Ces experts de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte sont en retraite interne en vue de discuter sur les questions majeures de la mise en œuvre de l'initiative qui pourrait alimenter les échanges lors de cette 9e session des ministres. Chaque année, on fait un séminaire résidentiel. Par rapport à ce séminaire résidentiel, nous organisons maintenant la retraite pour discuter de nos vrais problèmes internes, pour préparer la 9e session du Conseil des ministres, pour parler un même langage pour que les entités nationales vont le faire. Cette retraite interne de 48 heures aura permis ainsi à ces experts de gestion durable des terres de discuter à bâton rompu sur les défis communs en lien avec la bonne marche de l'initiative Grande Muraille Verte. La dégradation continue des terres dans le Sahara et le Sahel est une réalité. Et pour ces acteurs, il faut agir vite pour récupérer et sauver ce qui reste des terres. D'où ces recommandations formulées à l'issue des travaux afin de répondre efficacement aux besoins des populations. Les espèces se sont retrouvées pour regarder sans langue de bois sur ce qui ne marche pas au niveau de la gouvernance, aussi bien au niveau de l'agence panafricaine qu'au niveau des structures nationales. Au niveau donc organisationnel, nous avons relevé un certain nombre de défis qu'il faut combler si on veut que les structures de gestion de la Grande Muraille Verte restent efficaces. Au niveau institutionnel également, des questions ont été posées et des recommandations ont été formulées. Du point de vue de la capacité de mobilisation des ressources et du partenariat, ces questions ont également été abordées et il est apparu nécessaire que nous puissions, dans une vision de synergie, mettre en place ce que nous avons appelé des coalitions. Le ministre en charge de l'Environnement, quant à lui, salue l'idée de cette retraite interne entre les responsables de l'initiative Grande Muraille Verte des pays concernés. 2 jours pour réfléchir et mettre en commun les différentes expériences pour contribuer à relever les défis majeurs de l'initiative et à encourager, selon Augustin Kabore, pour qui les différentes recommandations assorties de cette retraite seront examinées avec intérêt lors de la 9e session du Conseil des ministres. Ces experts sont arrivés à dégager un certain nombre de recommandations très fortes et sur la vie et le fonctionnement de cette initiative Grande Muraille Verte. Et parmi ces recommandations, on peut retenir l'amélioration ou le renforcement de la gouvernance de cette initiative. Il y a l'épineuse problématique de la mobilisation des ressources financières pour financer les projets et programmes de l'initiative Grande Muraille Verte. Il y a également les questions de suivi et de capitalisation de l'ensemble des actions qui sont menées dans cet espace, au profit donc des collectivités et des populations. Il y a également tous les dossiers majeurs devant être examinés à la 9e session du Conseil des ministres et qui est prévue au mois de mai prochain à Abuja au Nigeria. Réussir à organiser une telle retraite est un défi auquel le Burkina se réjouit d'avoir relevé, selon Adama Doulkom, le coordonnateur national de l'initiative Grande Muraille Verte du Burkina. Et nous avons la chance au niveau du Burkina d'être appuyés par l'APFE, qui est l'association de la promotion la formation de l'éducation à l'étranger, qui depuis 2014 accompagne le Burkina dans la mise en œuvre de cette initiative-là. Si aujourd'hui, au niveau du paysage institutionnel, l'initiative de la Grande Muraille Verte au Burkina est bien perçue, c'est grâce effectivement à l'appui de l'APFE et de ses partenaires. Voilà pourquoi je voudrais remercier très franchement l'APFE pour cet accompagnement et pour avoir cru en l'initiative dès le départ. Nous sommes pleinement satisfaits de notre participation à cette retraite et qui nous permet, aux côtés de la Grande Muraille Verte, d'encore se projeter en fait dans l'avenir, dans le cadre de notre coopération. On a un programme 2022-2026 et ça nous permet de cheminer ensemble
jusqu'à l'horizon 2026 et éventuellement envisager effectivement une suite dans, dans notre opération entamée depuis 2014. Durant deux jours donc, ces acteurs de l'initiative Grande Muraille Verte ont renforcé leurs liens de cohésion et de collaboration. Ces échanges leur ont permis de tirer les leçons des 13 années de mise en œuvre de l'initiative Grande Muraille Verte de chaque pays. Les résultats et recommandations de cette retraite seront aussi partagés avec les partenaires techniques et financiers, avec l'espoir de leur contribution active pour l'atteinte des objectifs de l'initiative Grande Muraille Verte.